La puissance de leur corps et la force de compression de leur mâchoire suffisent à arracher instantanément une partie de la chair d'une jambe humaine ou à ronger les os d'un poulet. Les piranhas, des poissons dont nous avons peur depuis l'enfance grâce aux légendes et aux films d'horreur. Les ancêtres des piranhas modernes, les méga piranhas, étaient 5 fois plus longs, 80 fois plus lourds, et leur force de morsure était plus puissante que celle du plus grand des lions. Combien de temps resteriez-vous seul face à un tel monstre? Il y a 10 millions d'années, le méga piranha était capable de vous dévorer sur place. Sa longueur, de la tête au bout de la queue, pouvait atteindre jusqu'à 128 cm. Et son poids, 80 kg. Tout le corps du méga piranha était constitué de muscles solides. Cela lui permettait de se déplacer activement et rapidement dans l'eau et de lancer des attaques fulgurantes. Ses armes principales étaient de puissantes mâchoires et des dents triangulaires acérées. Elles étaient disposées de telle sorte que, lorsque les mâchoires étaient fermées, elles se transformaient en un mur solide, un peu comme une fermeture éclair sur un vêtement. Un spectacle fascinant qui suggère que c'est à cela que ressemblerait la porte de l'enfer. Les dents avaient une base triangulaire solide, ce qui leur permettait de mordre dans les coquillages. La force de morsure du méga piranha atteignait 4740 newtons. C'est 10 fois plus fort que la morsure d'un lion. Et 2 fois plus fort que la compression de la mâchoire d'un grand requin blanc. La puissance d'un méga piranha est suffisante pour contenir avec ses dents un grand taureau de corrida, ou 2 lions de taille moyenne. La mâchoire inférieure du poisson fait l'objet d'une attention particulière. Elle a été poussée vers l'avant pour une fermeture plus confortable et une apparence plus effrayante. Il était peu probable qu'un tel poisson soit capturé et transformé en amuse-gueule. Il se trouve que le méga piranha était également très craintif. Lorsqu'il rencontrait un poisson plus gros, seul à seul, le méga piranha, dans la plupart des cas, s'éloignait à la nage, et ce le plus rapidement possible. Mais il était presque impossible d'en trouver un seul en se promenant le long de la rivière. Pour se sentir en sécurité, les méga piranhas, comme les piranhas modernes, se rassemblaient en groupe et attaquaient également en foule. Ils attaquaient également des groupes, et ce par derrière. Les attaques des méga piranhas étaient une représentation théâtrale. Le troupeau nageait lentement autour de la victime, jusqu'à ce que l'un d'eux, le poisson le plus audacieux, décide de prendre une petite bouchée. Cette morsure était un signal de test pour les autres poissons, qui indiquait clairement le degré de dangerosité de la victime potentielle et s'il était possible de lancer une attaque. En l'absence de réaction, les poissons attaquaient. L'instinct grégaire développé a donné lieu à une série d'attaques très rapides. En raison du nombre de poissons et des secousses soudaines, l'eau s'est mise à bouillir, ressemblant à un geyser sur le point de projeter un jet d'eau chaude dans l'air. Les puissantes morsures pénétraient instantanément la peau et la viande, et les mouvements brusques du torse puissant arrachaient des parties du corps. La victime n'a pas eu le temps de récupérer, car en un rien de temps, il ne reste plus rien d'elle. Les méga piranhas n'attaquaient que si la victime se déplaçait bruyamment sur l'eau ou pagayait activement. Il en va de même si la victime saigne. Les méga piranhas avaient des sens plus développés que les requins. Ils n'ont besoin que d'une goutte de sang pour 75 litres d'eau. Le sang et le bruit indiquaient au poisson que la victime était blessée ou effrayée, ce qui signifiait qu'il ne pouvait pas se défendre. Le pire était que quelqu'un pénètre dans le territoire du méga piranha et dans les eaux peu profondes, où il pond ses œufs. L'attaque aurait été alors immédiate et certaine à 100%. Toutes ces conditions s'appliquent également aux piranhas modernes. Selon les statistiques, aucun cas mortel d'attaque de piranha n'a été enregistré. Mais des morsures isolées se produisent assez souvent. Le célèbre biologiste Herbert Alex Rod a démontré par son propre exemple que les piranhas ne sont pas dangereux pour l'homme. Il a jeté des poissons affamés dans une piscine, puis est allé avec eux. Dans la même émission, le scientifique s'est penché sur un incident survenu dans les années 70. À l'époque, au Brésil, le bus transportant des passagers a glissé dans l'Amazone. Les personnes à l'intérieur ont été dévorées vivantes par des piranhas. Il a même réussi à parler à des témoins oculaires,
le bus est tombé dans des eaux peu profondes. Cela pourrait provoquer une attaque de piranhas afin de protéger leur progéniture. Imaginez que vous naviguiez sur un bateau sur le fleuve Amazon et que soudain, votre transport commence à couler. Le bruit du naufrage et les cris des noyés attireraient certainement les piranhas. Des bandes de poissons vous entoureraient de toutes parts. Si vous étiez blessé, vous seriez probablement mort. Les piranhas sentiraient instantanément votre sang et vous identifieraient comme une proie facile. L'eau bouillonne autour de vous et de nombreuses morsures s'en suivent. Si vous n'êtes pas blessé, vous avez une chance de survivre. L'essentiel est de ne pas paniquer, de ne pas faire de bruit inutile et de sortir de l'eau le plus vite possible. Et lorsque vous vous retrouvez sur le rivage et que vous regardez les noyés, vous penserez peut-être que rien ne pourra les sauver du poisson mortel. Mais les piranhas ne sont pas au sommet de la chaîne alimentaire. Et ils ont suffisamment d'ennemis pour disperser le troupeau affamé des passagers noyés. À la surface de l'eau, les piranhas sont régulièrement attaqués par les caïmans. Dans les profondeurs, ils sont chassés par les dauphins d'eau douce. Et dans les airs, par les hérons et les cormorans. L'ennemi le plus insolite des piranhas peut être considéré comme la tortue Matamata d'eau douce. Elle appartient à la famille des Chélidés. Son poids peut atteindre 15 kg et sa longueur jusqu'à 40 cm. Ses mouvements souples sous l'eau lui permettent de s'approcher au plus près des piranhas. Sa tête triangulaire, sa carapace avec des excroissances et la texture de sa peau lui permettent de se déguiser naturellement. Un coup long et fort permet à la tortue d'attaquer sous l'eau à la même vitesse qu'un serpent sur terre. La Matamata possède également une bouche très large. Cela lui permet d'attraper immédiatement le poisson entier sans qu'il puisse se libérer. Par ailleurs, les piranhas sont régulièrement capturés par les pêcheurs qui les vendent aux restaurants locaux. Le piranha est un morceau de protéine charnue qui peut être utilisé pour préparer une soupe ou être grillé sur une feuille de bananier avec des tomates et du citron vert. Être complètement mangé par des piranhas n'est possible que dans des cas extraordinaires qui n'ont pas encore été officiellement enregistrés. Ils peuvent mordre, causer des dégâts, mais pas ronger jusqu'aux os d'une personne vivante. Dans tous les cas, il vaut mieux ne pas s'en approcher. Si vous avez trouvé cela intéressant, vous pouvez nous faire part dans les commentaires de vos monstres préhistoriques préférés, sur lesquels vous aimeriez en savoir plus. Et je ne manquerai pas de faire une vidéo à leur sujet. Merci d'avoir regardé et à bientôt.